Scarlett, dépêche-toi. Scarlett, on va être en retard au lycée, là. Scarlett. Ouais, j'arrive. Ah bah enfin, tu vas vraiment finir par nous mettre en retard. T'inquiète, je sais quoi faire dans ces cas-là. Ça fait au moins depuis 4 ans qu'on fait la même chose. Eh bien justement, c'est ça qui ne va pas. Bon, bref, on y va parce que sinon on va vraiment finir par être en retard. Et dépêche-toi. Et dire que c'est censé être ma meilleure amie. Eh ben. Et c'est là qu'il dit, je vais organiser une magnifique réception et vous n'êtes pas invité. J'aime une de mes répliques préférées, à chaque coup elle me fait trop triper. Ouais, c'est vrai que... J'avoue qu'elle est pas mal. Surtout qu'en fait, il se parle tout seul. Ah bon? Ah ben ouais. Oh, salut, salut Vanessa, salut. Ouais, salut. Et c'est là qu'en fait... Oui, je sais que c'est difficile, mais attends. Salut Scarlett, salut Vanessa. Ouais, ouais, salut. Salut Jason. Hey, salut les filles, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va, hey, vous avez entendu parler du cimetière du fond de la rue? Non. Et il paraît qu'ils ont entendu des cris de mort-vivant là-bas. Non, c'est pas vrai, arrête de te foutre de notre gueule. Ah non mais je vous mens pas, si vous me croyez pas, allez voir vous-même. D'ailleurs je vous défie d'y aller, la nuit du vendredi 13. T'es sérieux là? Parce que en fait on a déjà un truc de prévu. Ouais, moi qui pensais que vous n'étiez pas si trouillade que ça. Tant pis, dommage que pas mal de gens ont entendu cette conversation. Au moins deux, du moins. Non mais t'imagineras jamais ce que je viens d'entendre. Jason a défié Vanessa et Scarlett d'aller au cimetière du fond de la rue, tu sais, le cimetière là, ouais. Et elles ont refusé, elles sont trop... Apparemment elles sont trop froussardes. Tu crois, toi? Mais c'est complètement faux. Alors prouve-le. Très bien. Nous reporterons notre soirée à plus tard. Nous irons dans ton cimetière le vendredi 13 à minuit pile. Parfait. Et prenez une caméra, qu'on filme vos exploits. Marché conclu. Non, attends. Elles ont accepté. Elles vont vraiment y aller. Elles vont même filmer apparemment. Ça va être trop démentiel. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est fichu. Et tout ça par ta faute. C'est pas ma faute si je voulais pas perdre la face, hein. Mais c'est stupide. Mais sinon, au pire, on fait ce qu'il a dit et on y va. Mais t'es folle ou quoi? Moi j'ai pas envie de faire une crise cardiaque et de mourir si jeune. T'es qu'une pleurnicharde. Bon, prends ce sac et cette caméra et on y va, là. Ah, tu m'énerves. T'es folle. Comment tu fais pour survivre à une telle épreuve? Bon, arrête de chouiner. Bon, on va y aller. C'est bon, c'est rien. C'est juste un cimetière à la con, quoi. En pleine nuit. Un vendredi 13. Oui, je sais. Mais au moins, on perdra pas la face. Et on sera encore plus populaire. Effectivement... Le choix est maintenant plus facile. Bon, on y va? Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, j'arrive. Bon, bah, c'est bon, on peut y aller.
On y va? Ouais, d'accord, ça marche. Oh, t'es qu'une froussarde. Mais je ne te permets pas. Non, j'y crois pas, elle m'attend moi en plus. Maintenant on rentre, ok? Il n'y a pas de mort vivant, c'est des conneries. Vanessa! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je les entends, c'était pas des conneries! Tu déconnes, j'espère! Non, je déconne pas! Dépêche-toi de sortir! Mais qu'est-ce que tu...